Salut mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment régler le problème des appels entrants, mais rien ne s'affiche ici. C'est-à-dire, vous sentez que votre téléphone vibre, mais rien ne s'affiche. Il n'y a pas de notification. Donc on va voir comment régler ce problème, mais avant de commencer, je vous invite tout d'abord à me faire un petit j'aime à ma vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous et activez la cloche. Voilà. Donc, pour régler le problème, vous allez exactement dans les paramètres. Vous cliquez sur paramètres. Ensuite, vous descendez en bas jusqu'à ce que vous trouviez application. Vous cliquez sur application. Là, vous cherchez l'application téléphone. Donc, pour qu'on soit rapide, vous cliquez sur la barre de recherche ici et vous faites téléphone. Et n'oubliez pas l'accent. Voilà, E accent, téléphone. Je l'ai trouvé, j'ai commencé par tel, je l'ai trouvé ici, l'application téléphone. Vous cliquez sur l'application téléphone. Là, vous cliquez sur stockage et vous descendez en bas jusqu'à ce que vous trouviez vider le cache. Donc, dans l'application stockage, vous faites vider le cache. Comme ça. Et vous redémarrez votre téléphone et ça va marcher. Et si le problème persiste, vous faites la même manipulation, mais là avec supprimer les données. Quand vous cliquez sur supprimer les données, attention, tous les appels entrants et sortants vont être supprimés définitivement. Voilà. Et vous cliquez ensuite OK. Redémarrez votre téléphone et ça va marcher. Voilà. Si vous avez aussi installé l'application comme Truecaller ou bien Showcaller, peut-être que c'est ça le problème. L'application Showcaller ou bien Truecaller bloque les appels entrants. Vous désactivez l'application et le problème va se régler automatiquement après la désactivation de ce genre d'application. Mais là, si vous faites toutes ces manipulations, vous allez régler le problème des appels entrants. Je pense que vous avez compris le principe. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous dans les commentaires. Et à la prochaine pour une autre vidéo.